Hello les amis, Mitra Pneuma de l'équipe de Nintendo Alert. Donc on s'était quitté face à cette unique et voilà, je vous avais dit que j'allais faire un petit break avant de recommencer à taper du mob. Donc me revoilà. Avec ces pauvres petits lapins qui n'ont rien demandé à personne. J'ai horreur d'aller taper... tout mignon comme ça là. Ouais, tant pis. À 38, il résiste bien. Hein. C'est un unique. Hein. Ah, il se met, bah, forcément. Je tire dans le vent. Allez, let's go pour l'enchaînement. Cher hein, là.
pas mal là les. Les cinématiques, les actions. Ouroboros. Oh, il a pris cher. Hein. Voilà, bon. Faut vous demander juste qu'on vous foute la paix. Allez, on progresse. Vous avez remarqué, hein, c'est pas ultra passionnant là la progression. I wonder what's around here. Touchdown. There's plenty of black fog. How come the annihilation thing ain't happening? I couldn't begin to guess, but I'd say the castle has something to do with it. Ah, un camp. On sait ce que ça veut dire. Hein. Des marchands en plus. Il va y avoir un combat. Je crois qu'il n'y a pas de sujet. Ouais, bon. C'est quand même une montée de niveau. Oui. Les gemmes, je suis pas certaine. Ah, oh, celle-là. Right, all done. Right, all done. Pretty good, right? Bon, là, j'ai quand même augmenté quelques gemmes en plus. That's how it's done. Break time's over. Je sais c'est demandé de progresser dans l'histoire principale. I'm starving. Got anything I can eat? Non. Bon. Alors, une veine d'éther. J'espère que c'est pas parti pour une cinématique de 10 minutes. There it is. Black fog too. Few enough numbers to sneak around. Is Colony 4 gonna be safe, do you think? They should be okay. We haven't seen the light for a while. I think that's a good sign. Let's move. The fact that we killed consuls must be old news at this point. Could have made examples of a few people by now. They ain't expecting us to sneak aboard, though. We've got them with their pants down. Let's get in there, mess them up, get out. Bish bash bosh. Actually, they may have already anticipated our moves. Nah, mate. Come off it. Think about it. How would they have known where we'd be? Can't be a coincidence. I mean, sure, it could have been intuition on Ethel's part. But we have to be realistic. So it's a trap. You want to turn back? No. We'll go. We can't turn back now. We can't allow their deaths to have been in vain. So you would entertain the risk? It does sound bad. You know, I think I kind of like it. C'est qui? Nouvelle héroïne? Pas mal. Il n'y a pas une veine d'éther?
Je leur ai même pas parlé. J'ai rien à vendre. Alors, augmente la puissance des dégâts infligés contre le compagnon. Contre la résistance, renforce la hostilité, contre hostilité. Ouais, bof. Rien de bien transcendant. Des objets intéressants en haut. Hein. Ah, d'accord. Bah, ça, clairement, faudra revenir pour faire tous les toutes les voies qu'on n'a pas utilisées. Of course. Parce que là, du coup, si on regarde la carte, il doit y avoir quand même. Ouais, regardez, par exemple, là, j'ai pas fait. Où est-ce que j'ai pas fait encore? Voilà, il y avait carrément un point d'interrogation. J'ai cru qu'elle est tombée. Ok, je pense qu'on est reparti pour une cinématique. Il prélève l'éther. Looks like you were right, Noah. There's a whole bunch of containers here. A welcome gift for easy sneakings. Let's go over this again. First, we get to those containers without being spotted. With me so far? Anyone spots us, we're like ninjas. We take them out quickly and silently. Once we're inside, we pick the right opportunity to proceed through the hangar. Our goal is here. The maintenance hatch that leads outside. From there, we head to outer deck. Right. Enemy presence should be lower around there. Then we move to the main housing. Assuming we get there, how do we trash it? I can brief you on the next steps. After analyzing the data we got from Bolliaris, I discovered a flaw in the Annihilator's construction. A weak point? Indeed. Here. The weapon is designed to temporarily render the black fog inactive, condense and collect it, then release it in one blast. Our best bet is to destroy the neutralizer assembly from which it draws its power. But it's located in the castle interior. Getting there will be no joke. Once there, we'll need to damage the autobalancer in the barrel's housing. Most likely, it was built in a hurry. The movable barrel is affixed to this outer ring that you see here. But the ring isn't strong enough to take the barrel's weight or absorb the recoil. That's why the autobalancer was added after construction, as an afterthought. So what? We've just got to smash that thing to pieces. Smash it, and the entire ring begins to fall apart, and the barrel collapses under its own weight.
How strong is the autobalancer? Not too sturdy? Nothing Ouroboros can't handle. So, what's this thing? That is a refrigeration unit. The barrel needs vast amounts of energy. Je sais pas si on a besoin d'autant de détails. Cool at all times to keep the energy in check. Engineering, là, c'est... I'm surprised it's so huge. Seems that was built quickly too. It's got both bulk and heft to it. They probably couldn't have made it any smaller. Hmm. A rush job, huh? Okay then. We all good to go? Yeah. No more taking it easy. Let's make this happen. Bon. Say, oh, if we slid along that. Whoa, check this place out. Touchdown. I'll whack 'em good. I'll draw them. Thanks for the support. Let's do it, Kion. You need to go. Lightning Aaron. Je pense que là, ça va être un enchaînement. Là. That was spectacular. And I was the MVP. Shall we take it on? You're all thinking it. No more. Do it, Kion. MVP. You're all thinking it. Better not spill any of this. Énormément de vent et terre. Shall we deal with this? On se fait attaquer par tout ce qui bouge. Peu importe leur niveau, hein, j'ai l'impression qu'ils sont tous agressifs ici. Let's top up on ether. Ouais, énormément de veines d'éther. Hein. All right, let's do it. Let's do it.
Je vois un unique d'ailleurs au fond. Oh, et de toute façon, ça va être un enchaînement de combat. Hein. Pas spécialement difficile à battre, mais c'est juste que bon, on enchaîne les combats. Essaye de pas aggro l'unique. Ok, let's go pour l'unique. Parce que vous avez vu avec Isurde dans l'équipe, les enchaînements. C'est de la folie. Allez, let's go pour l'enchaînement. Je pense que de toute façon il va être vite fini. Hein. Check out what I've got in mind.
évidemment, on termine par Usur, qui assure les 150. Et donc qui ramène deux persos. Arrêter l'enchaînement. Parce qu'on l'a eu, voilà, tout simplement. On peut aller chercher ce qui reste des terres. Tranquille. On a fait le ménage. Sont d'une discrétion folle, hein. J'espère quand même que les derniers chapitres vont pas tous se passer dans le château. C'est quand même fou qu'on soit déjà dans le château, hein. The maintenance hatch. It's in the reserve area on the upper level. First, we'll need to take the elevator that can get us up to that floor. Je sens encore être un labyrinthe. I don't see any guards. Too foggy for taste of banana. If we're gonna move, now's the time. That said, we are indoors. Move fast, but keep your eyes peeled. Yeah, of course. Donc voilà, une belle progression encore dans l'histoire principale. Donc je vous dis au revoir pour cette fois. Et puis de toute façon, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo de progression dans le château. Merci à tous, bye bye.